mon nan doué lui-même tout dans la prière aussi. Parce que des fois nous t'a parlé de monde qui a prié monde dans radio. Mon qui a prié monde dans radio, qui a dit mes amis priez pour moi et si nous nous prier pour moi, j'ai tel problème ou bien mon nan gros problème, la prier pour nous pour moi. Parfois vraiment et mon nan qui m'a dit prier pour lui, la majorité dans monde ça pas converti. Majorité dans monde ça yo pas contre Christ. Mais yo mandé pour nous prier pour yo quand même. Ou ka prier pour mon nan mais les mon nan do li gon problème. Pour vu que problème n'a pas identifié, on va rendre pour qui ça pour prier. Mais ça fait me dit que li nécessaire pour que a bien-aimé yo les que mandé prier pour mon nan lui-même tout est participer dans prière à tout. Parce que ou gen doit prier pour mon nan, mon nan est que mande ou prier et puis lui-même ni pas contre prier. Ni pas jamais prier, mais le remet mon prier pour lui. Et ça servante là, il dit me comme ça que mais gen des fois lui-même l'elle conn dans machine et l'elle dans machine là en Haïti, il prier pour tout le monde. Il dit c'est normal. Parce que la Bible mande et faut nous prier pour tout le monde en général, le monde entier. Pour nous prier pour lui. Mais ce qui est important, c'est que c'est là, par exemple, il y a un monde qui demande de prier pour lui-même et puis il n'a pas converti. Priorité, c'est pour aussi le malade, c'est pour le guérir. Priorité, priorité, c'est si que, par exemple, et si il a un problème, il a besoin de résoudre, il a besoin de résoudre. Maintenant, la prière, ça que il a besoin, ce n'est pas résoudre le problème, non, mais c'est résoudre la vie spirituelle. Là, il n'a pas converti. Et puis il m'a demandé de prier pour lui. Ou qu'à prier pour lui. Parce que bon Dieu, son Dieu de guérison, comme nous connaissons. Mais cependant, je pense que ça, bon Dieu, besoin dans mon nom, c'est relation, besoin soigné. Vous voyez, tu as connu là, si que ou qu'à servir comme une référence à Dieu pour mon nom. Une référence à Dieu pour mon nom. Mais mon ça lui-même, si vous servez comme référence à Dieu pour lui-même, et lui-même, est-ce qu'il n'a pas le droit pour le camper devant bon Dieu pour lui dire bon Dieu, c'est moi-même? Pour camper devant bon Dieu pour lui dire c'est moi-même, et comment on va le faire? C'est pour que vous campez ou dire c'est vous-même pour dire bon, je connais ceci, je connais cela, parce que l'air où prier, demander confession. La prière demande confession, mais demande pas demander confession. Ils avaient que noté qu'on dit parfois les que ou arrivé dans quelque église ou bien dans quelque l'autre côté que pas d'église ouais mon ami mon baleine li ou ni mon baleine devant l'église catholique là côté qu'on a longtemps et qu'on a boulé baleine des fois pour pas devant l'église a sale net à force que mon ni mon baleine mon sa yo c'est pas prier à prier mon sa yo à faire une demande. Parce que la prière, lui demande confession d'abord. La prière, demande confession d'abord. Ce n'est pas doué, bon Dieu, doué ou. Et ça, ça vient demander là, mais c'est grâce la fait. C'est miséricorde qu'il a employé. En tant que papa, ak petit, en tant que serviteur, et bon Dieu, c'est souverain, l'on vient de côté, vous demandez d'abord pardon pour action, pour ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît. Maintenant, ou prier dans pied li pour demander que ça le besoin ça veut dire que c'est pas demande ou faire demande vous le dit ou pas gain à faire des confessions on est comparé ou dit tel saint ou besoin tel bagaille mais ou pas confesser devant parce que saint lui-même et son molier on comprend son molier ou va confesser à con mort ça mort à faire pour vous-même et ça fait que parfois Jacques dit nous mandé mal parce que nous demandons pour nous satisfaire des inons, mais nous pas demander dans le sens pour que nous soyons capables de faire ça nos besoins. Et dans façon ça, nous avons besoin nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu, servantes, nous avons besoin plus comprendre ça n'a fait. Nous connaissons que tout le monde qu'on prie, tout le monde qu'on fait ceci, qu'on fait ceci, nous comprendre ça. Mais cependant, il y a une différence entre une demande et prière. C'est-à-dire que les Seigneurs disent comme ça que tout ça que vous prié ou a demandé dans la prière. Ou a dit que c'est quoi la différence là? Tout ça que vous a demandé dans la prière, mais comment pour faire? Alors, l'aime dit comme ça que
son demande doit faire demande là c'est carrément on pas dit rien c'est carrément ou faire interpellation accès et eh bien avec soit relé et puis immédiatement ou déposer ça gain mais il pas demandé pour confesser d'abord il pas demandé pour demander pardon oui frère Loriston. Comment? Le David dit, je demande à l'Éternel une chose. Le David demandait à l'Éternel, je demande à l'Éternel. Je désire à l'âme. Oui, maintenant, ça qui me fait comprendre, vous remarquez que David dit que je demande à l'Éternel, ou après dans le titre là. On prend un titre somme, on prend un somme, on prend le marqué prière de David. Tenez ça, je te dis tout à l'heure. Les va prier d'abord ou confesser. Après ça, on mande. Vous comprenez ça, je dis là? Ou non, besoin de confesser. Parce que l'autorité au gain pour paraître devant bon Dieu, c'est Jésus-Christ Baoul. Et c'est Jésus-Christ même qui est bon Dieu. Ou pas venir devant Jésus-Christ parce qu'on a un droit. Ou pas venir devant Jésus-Christ parce que il doit ça. Ou venir devant Jésus-Christ parce que il fait un sacrifice pour un sacrifice à sa vie comme une porte d'entrée. Mais alors venir. Ou venir devant au nom de lui-même par puissance de sacrifice qu'il fait. Tenez ça me dit oui. Au nom de Jésus par la puissance de sacrifice qu'il fait. Par puissance sacrifice qu'il fait. Au nom de Jésus, par puissance que j'ai que sacrifié. Et vous pas dit au nom du sang versé. Le sang versé n'a pas un nom. Sang versé pas un nom. Sang versé gain puissance. Pour qui ça? Parce que puissance qu'il gagne, elle pas gain puissance bête. Mais il gagne puissance côte d'origine par côté de sortir. Il sortit dans bon Dieu sans l'homme pas gain puissance. Comprenez? Sans l'homme pas gain puissance, sans bête pas gain puissance. Mais sans Jésus-Christ gain puissance. Ça veut dire qu'au nom de Jésus-Christ par la puissance du sang versé. Vous comprenez bien ça me dit là. Maintenant là, ça vient permettre que ou capable ou même en tant que serviteur servante pouvoir gagner c'est Jésus-Christ Baoul. Et moyen pour voir que gagner dans ces papes sans qui verser qui fait ou paraître propre devant bon Dieu pour qu'apparaître. Oui, c'est ça, Ben? Oui, c'est ça, Ben, c'est Ben. Dès qu'il en a pris, nous pas répéter le sang de Jésus. Pardon? Ou dit, l'Éternel a dit, béni soit l'Éternel, nous pas répéter le sang de Jésus. L'Éternel a dit, l'Éternel a dit, béni soit l'Éternel? Nous avons dit le sang de Jésus, quand on dit, moi-même, mais là, nous disons le sang de Jésus, vive le sang de Jésus. C'est comme ça que c'est puissance là, on a cherché. Comment ça me fait là? Puissance, on a cherché ou bien puissance déjà gagné? Oui, nous gagnons puissance. Nous déjà gagnons, parce que les oui. Mais comme si nous avons chaque fois, toujours besoin plus puissance. Le sang de Jésus va nous puissance pour nous chasser tout les trucs qui va. Non. Donc, ça veut dire que le sang de Jésus, c'est pas puissance lui qui fait nous-mêmes nous s'ennuyer, je veux dire. Sans pas qu'avoir puissance qu'on besoin c'est Jésus qui a baoul. Parce que remarquez que l'on a dit maman de tout ça au nom de Jésus. Ça veut dire que Jésus c'est lui-même qui baou pouvoir. Sans lui-même ça le fait pour moi ma voix lui bah nous moyen de n'a pas être devant mon Dieu pour nous paraître propre. Donc comprendre pour nous paraître propre comme si que c'est quand que péché ou pardonné. Parce que ça fait que dans l'Ancien Testament yo connaît chaque année prophète yo chaque année et peuple là présenté à un agneau ou bien pigeon ça yo mandé sans verser sans couvrir péché comprendre sans couvrir péché mais le sang de Jésus-Christ lui effacer péché du fait que lui effacer péché qu'il y allait nous paraître devant bon Dieu pas ouais nous avec péché mais lui ouais nous en pas obéissance non que sans Christ retirer. C'est-à-dire non pas avec autorité du sang. Mais c'est au nom de Jésus. C'est-à-dire que c'est quelquefois ou qu'on dit un bagaille mais c'est un autre bagaille vous voulez dire.
Vous comprenez ce que je dis là? Ou qu'on dit un bagage, et pourtant son autre bagage, vous voulez dire. Supposons que Kounia Tako, servante là, dit, c'est ben, ou paraît-il vous dire que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. L'autre dit le sang de Jésus, le sang de Jésus, qu'on dit trois fois, qu'on dit sept fois, mais le sang de Jésus, ça le fait. Il est en laveau déjà. Maintenant, ou besoin qu'on y a dynamisme qui n'a bon Dieu, hein, pour capable recevoir, mais sans par rapport puissance. Sans par rapport puissance, sans puissance, ça c'est dans Christ lié, dans Jésus qui est lié. Mais sans, ça le fait une fois qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, maintenant, sacrifice là permet que l'on paraît devant mon Dieu ou propre, ou clean, ou pas, ou sans péché. Parce que c'est ça le bagage qui dit qu'on a que même si péché ou te ou t'en coucra moisi, pas ça? Sans bas au pouvoir qu'on a pour parler devant mon Dieu très clair. C'est celle sans sur la terre qui verse sur la terre qui fait mon propre. Après ça, tout l'autre sang est fort sale. C'est comme si vous avez un péché sans clean ni avec ça, puisque vous clean, vous avez présenté devant mon Dieu, devant Jésus-Christ. C'est ça. Yeah. Les bon Dieu gardent, ils gardent à travers le sang de Jésus-Christ. Yeah, parce que c'est celle sang que bon Dieu. Que Jésus-Christ, bon Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui bon Dieu, c'est lui-même qui Saint-Esprit. L'Éden, c'est avec sacrifice, ça, obéissance, qui permet que ou capable de paraître devant, parce que l'été fait ça pour vous, ou pas venir, ou venir directement de lui-même. Et puis, comme ça, ou capable de recevoir. Mais par exemple, il y a des gens qui disent comme ça, que au nom du sang versé, son va qui commun. Ok? Il y a des gens qui disent au nom du sang versé. Son bras qui commun. Mais, au nom du sang versé, avant même que le sang Jésus-Christ te versé, miracle te kon fait. Vous comprenez? Démon te kon chassé. Maladie te kon guéri. Avec te kon oué. Boite te kon marché. Moun ki gen lèp te kon guéri. Avant Jésus-Christ mourir. Pas vrai? Maintenant, lè que ou toute pour force à côté de sortir. Il sortit en Jésus-Christ avant son sang versé. Maintenant, sang versé, ça le fait pour moi-même avant, c'est payer le payer d'être là. Il payer d'être péché à nettoyer. Mais pas quelle puissance? Pas la puissance de Jésus-Christ. Et ça fait que les que vous priez, vous dit, mando tout ça au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais alors, c'est bon Dieu comprendre. Bon Dieu comprendre, l'ordre dit au nom du sang versé. Il peut comprendre. Parce qu'il ne comprend pas, c'est moi-même avant. Mais cependant, les que livre les fait nous puis comprendre. Alors, mais qui j'en nous t'a doué deal pour nous arranger les choses. Si nous habitués deal en gens, qu'on y a nous venir comprendre comment. Bon, à me connaît avant pour le sortir son paquet. Problème parce que on doit tavler retirer et puis l'échapper. Mais bon Dieu style capable comprendre. Et si nous comprenons bien ça me dit là. Et donc que qu'on y a et là que nous, en tant que serviteurs, servantes, nous avons essayé de comprendre comment ça est. Alors, servante là, lui-même, il était dit, comme ça que, là que il priait pour les gens qui sont soit dans la camionnette, ou bien dans le bus, ou bien quelque soit, ou bien dans l'avion, là, il était en avion, il priait, et puis il priait pour tout le monde qui est dans l'avion, c'est normal. Parce qu'il est très bon, là, même en tant que chrétien, pour prier pour voisins, les gens qui habitent beaucoup trop là. Moun ki habite plus dans côté. Bon d'abord depuis ou même ou habite dans quartier même quartier à sous contrôle. Quartier à sous contrôle. Depuis un chrétien habite dans une zone, dans un quartier ri à sous contrôle, quartier à sous contrôle. Pour qui ça sous contrôle? Parce que en tant que ou même qui là ou besoin présence constante bon Dieu pour capable préserver parce que moun ki bon contrôle là pas contre qui moun niye. Moun ki habite tout pour là ou pas contre qui moun niye. Gagne fort par Jean Moël, mon par contre qui mon nié. Ou bien on connait Moël, ou par contre qui mon nié. Seul monde qui connaît qui mon nié c'est bon Dieu. Comprenez? Parce que gagne des bagages parce que à cause de où quartier a doué en sécurité. M'pa connait si m'clair c'est ben. Elle que nous capable essayer dire ça. Nous t'ai essayé parler tout pour nous dire à nous-mêmes, un bagage qui est important. Et là que ou même en tant que serviteur servante bon Dieu qui est capable bon Dieu lui-même puissance lui
contrôle que bon Dieu exerce par lui-même, il est toujours efficace. Pas gen rien qui ka empêcher bon Dieu accomplir dessein. Pas gen rien qui capable empêcher bon Dieu accomplir dessein. Parce que avant que dessein vienne dessein, bon Dieu il est en connait. Dans omniscience li. Et avant même que bagay la te vienne présent pour moi-même avant, bon Dieu il est en connait par omniprésence li. Avant que même bagala te passé ou bien li paraît un petit genre difficile pour nous capable de résoudre lui même ni gétan connaît comment pour le résoudre par omnipotence li. Ça veut dire que Dieu trois qualificatifs ça yo li réservé à lui-même. Note dit un bagage qui était important, mais pour qui ça bon Dieu lui-même porte titre l'Éternel des armées. Nous sommes tenus de dire ça. Pour qui ça l'Éternel porte titre l'Éternel des armées? Il y a monde qui dit comme ça que lui c'est l'armée toute armée ciel là, c'est normal tout bas en bas pied. Et m'te dit non tout même si elle là que nous pral là dedans c'est marche pied bon Dieu qu'elle est. Raison pour laquelle qui fait c'est marche pied bon Dieu qu'elle est. La Bible dans Genèse chapitre 1 il dit au commencement, Dieu créa les hommes. C'est pas ça? Non. Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire que le ciel sont créatures. C'est une création. Ça veut dire que toute créature, tout ça qui créé, était placé en bas pied créateur. Et dans ce que c'est là que nous parlons, c'est là qui les déclarer, dit ça que même si ciel là c'est marche-pied. M'a besoin d'eau pour la terre. Parce que les bon Dieu campé, les où campé? Moi ma foi, nous campé qui bon? Sur la terre. Ça dit la terre c'est marche-pied. Ma connais si me clair. La terre c'est marche-pied les hommes. Ceux qui sont marcher, marche-pied veut dire sous sont marcher. Ciel c'est marche pied bon Dieu et sous l'île campé. Moi je m'aga là c'est théologie ou bien imagination pam. Toutefois qu'on ouais ou gon bagaille qui sous tête tout ça veut dire que au sujet à qui ont autorité. Donc au ciel par exemple regardez ouais ou dit ciel en l'air sous terre tout son ou ça veut dire que ce sujet pour autorité. Mais si bon Dieu lui-même c'est lui-même qui toute autorité et ciel c'est marche-pied comment on considérer en les têtes côté bon Dieu campé ou j'en pense à ça. Ça veut dire que si bon Dieu gagne un bagage sous tête lui subalterne de position. Li en bas en position, li en bas. Mais on toujours imaginer me dit merci bon Dieu ou c'est bon Dieu qui crée toutes choses. Ou pas gagner sous tête tout. On ta aimer ouais les coteaux campé ça qui en l'air. Alors ça c'est ma imagination pas, m'pas dire pour même mais n'est que tout li pour capable essayer comprendre que l'or gagne ciel sous tête tout ou bien on gagne atmosphère sous tête tout, ça veut dire que ou c'est subalterne ou gain autorité quand même sous tête et bon Dieu lui-même que ciel là c'est marche-pied c'est sous l'île campé et en l'aile. Le contrôle exercé par Dieu est toujours efficace, pas gain rien qui peut empêcher qu'il accomplit dessein. Nous capable essayer à visiter avant nous parler de ça nous relie l'Éternel des armées, sa signification, sa signification. Nous capables ouais, nous visiter, on nous garder le psalmiste. Un psalmiste qui parlait un bagage qui est très important et à coup nous il parlait de comment l'Éternel lui-même pas gagner carnes. Donc regardez Psaume 115, nous capables essayer garder comment réflexion
Et somme ça, dit Salbaï à partir du verset 3. Dans Psaume 115, à partir du verset 1er, il dit, non pas à nous, l'Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. C'est ça que nous avons parlé de pas gagner, le sang versé n'a pas un nom. Au nom du sang versé, c'est pas, ça n'a pas, ça non, il est acceptable peut-être devant bon Dieu, il est acceptable pendant que vous connaissez, mais sans verser pas gain non, sans verser gain puissance. Par la puissance du Saint versé au nom de Jésus, moi senti que moi fort. Mais c'est puissance qui gagne. Mais ça qui gagne tout pouvoir dominant, c'est non Christ là. Remarquez verset a commencé, il dit non pas à nous l'Éternel, non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Fidélité. Verset 2 a dit, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? La réponse, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Bon Dieu fait ça, qu'on d'accord. Qu'on pas d'accord, qu'on remène, qu'on pas remène, qu'on plaigne, qu'on pas plaigne, lui fait saler. En maître reprise, les nous river devant majesté ça. Au lieu pour nous contester à qui un phénomène, ou bien de un phénomène, au lieu pour nous contester de un phénomène. Si moi-même avorté intelligent, nous pas d'ap contester contre phénomène là, nous t'ap demandé bon Dieu explication de phénomène là. Mais à mettre reprise, n'en al côté n'al fait manifestation contre un phénomène. Sans que nous pas gagner une explication. Ou en d'autres termes, là nous parlons d'explication, il y a un thème pour ça, révélation du phénomène. Ça qui a passé dans le phénomène. Seul monde qui a révélé de ça qui a passé dans le phénomène, c'est maître phénomène. Le monde qui connaît le phénomène. Révélation, c'est quoi? Révélation, c'est fort qu'on est, gon bagay qui là, que ou pas kawe. Révélation pas rêve, ni pas songe, ni pas l'autre médium ou média. Révélation, c'est un bagay qui là, concret, tangible, ou pas kawe, et puis, monde qui connaît, de connaît, omniscient, omniprésent et omnipotent, il dit pas kaze corps, mais salier. Dans mitan tout phénomène, dans mitan tout ça qui, que bon Dieu permet de faire, dans la vie pas, dans la vie pauvre, dans la vie tout bon, dans la vie sensible, bon Dieu seul connaît raison. Parce que, attendez, il dit comme ça que on gagne chez venant tout pas pour racher sans permission. Si vous écoutez bon Dieu, si ou est ou une arrivée, tête ou une calinette. Alors ça, c'est. On fait une métaphore là. Maintenant, c'est pour montrer que bon Dieu lui-même, dans le verset somme, ça, il dit comme ça que, quelle que soit sa nation, a demandé, pourquoi les nations diraient-elles? Ou donc, elle leur dit, écoutez bon Dieu, yo. Quand est bon Dieu haïtien, quand est bon Dieu blanc, quand est bon Dieu noir, quand est bon Dieu ceci, quand est bon Dieu. Non, réponse là où je viens, ni notre Dieu. C'est-à-dire que Dieu, mon Dieu n'a pas servi à Dieu, il est au ciel. Et puis ça, il faut qu'on connaître, il fait tout ça qu'il voulait. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ce sont pour les hommes. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Explication. Il y a une bouche, il n'y a pas qu'à parler, il y a un jeu, il n'y a pas qu'à ouais. Il y a des oreilles, il n'y a pas qu'à attendre. Il y a des nez, il n'y a pas qu'à prendre sainte. Elles ont des mains et ne touchent point. Et même, il y a même arrivé des pieds, il n'y a pas marché. Il n'y a pas produit aucun son dans leur gosier. Et puis, verset 8, il dit comme ça, il semblait à monde qui fait. Ça veut dire que nous avons essayé de comprendre
que bon Dieu ça c'est lui-même hein, hein, qui fait salver. On connaît en pile dans nous-mêmes, nous on gagne qui connait fâché avec bon Dieu. On vient essayer comprendre qu'il y a les mon bagage, on pas connait pas fâché. Mal questionné bon Dieu, mal parler avec elle pour le faire moi, pour le faire comprendre ça qui a passé. Nous on va pas d'accord. Mais c'est meilleure méthode. Je pense pour moi qui travaille, Seigneur, fais-moi comprendre ce qui a passé, fais-moi ce qui a passé. Mon bagage qui a passé là, soit dans l'église là, soit dans la vie intelle, soit dans la vie ceci, soit dans la vie ça. Fais-moi ce qui a passé, parce que je ne comprends pas. Mais le Dieu de la révélation, par sa puissance, l'a révélé, l'a fait comprendre. Même si vous êtes capable de voir un petit genre obscur, mais apparemment, l'a essayé de faire comprendre la raison pour laquelle ou pour laquelle il fait ça. Il fait ça comme ça. Si nous avons enchaîné avec ça, dans Somme 135:6, nous sommes capables de voir toujours que comment et enchaîner avec quand même l'idée de ça, nous sommes capables de briller et de la puissance de Dieu, les commandes de l'on bagaille. Il doit dire oui, il doit dire non, il doit dire autant. Parfois, là, nous prions, est-ce que nous avons le côté du Seigneur pour dire, Seigneur, m'en donne bagaille depuis tant d'années, mais moi, ça va pas fait. Est-ce qu'on est capable de faire moi clair? Est-ce qu'on est capable de faire comprendre? Même si vous ne pouvez pas dire oui clair, parce que trois gros mots pour, parce que vous parlez avec être suprême. Seigneur, fais-moi comprendre ce qui a passé. Vous avez un petit test, moi. Dans un petit test, moi, je ne peux pas comprendre tout le bagaille, mais fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre, s'il vous plaît. Vous connaissez quiconque demande à reçoit. On cherche. On donne à celui qui cherche. Quand même, si vous allez de tout cœur, le Seigneur faut comprendre. S'il le faut, pour le pas, il faut comprendre. Parce qu'il croit, s'il faut comprendre, ou pas le prendre en âme ou en engouement, il est capable de dire beaucoup pour comprendre. Parce qu'on manque de maturité suffisamment pour me faire comprendre. Et ça, l'homme n'a qu'un problème avec bon Dieu. Bon Dieu, même avant la gomme bagaille dans la main, avant la gomme bagaille dans la main, il cherche premièrement maturité. Est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce qu'on est capable de faire? C'est pas que bon Dieu, bon, c'est ça, il dit. Et il dit comme ça que on pas un mauvais papa pour me pas d'abord ou ça demander mais est-ce qu'on kakembe et ça demander maintenant parfois on ka mande bagaille là parce que ouais ou ça tu gagne courage ou gagne force ou ka mande ou kakembe mais le Seigneur lui-même en tant que Dieu qui connaît qui juge valeur intrinsèque l'homme là lui ouais qu'on pour capable et puis il dit m'a plutôt grandi toujours ou bien m'a plutôt arrivé dans maturité avant la gueule dans mon maintenant raconte qui ça pour faire avec lui. Dans le verset 6, là, c'est ça, Psalm 135, verset 6, il dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il tire le vent de ses trésors. Pour depuis tant monde la monde et puis vent avanté vent pas jamais fini pour depuis tant la pluie a tombé sous la terre la pluie pas jamais cessé pour depuis tant de l'eau sous la terre a coulé l'homme a boire de l'eau il pas jamais fini ça c'est dans trésor bon Dieu là nous parlons de trésor maintenant gain notre trésor que bon Dieu gagne que pour le défendre. L'on prie avec lui, par exemple, on a prié, n'a pas l'innocence, mais comprenez bien ça, on a dit, l'on prie, par exemple, l'Éternel dit comme ça, que à moi la vengeance, comment? À moi la rétribution, à moi la rétribution, dit qui monde? Dit l'Éternel des armées. Là, encore, son déclaration, comme je m'en demande, expliquez-moi ça, il dit, l'on dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que bon Dieu, tout âme ou pas d'accord. Pour le défendre, petit li. Yon zam nan me bon Dieu, ou bien yon ceinturon nan me bon Dieu, si vous mettez le nan sens ça. En même temps, ceinturon nan men pour le calo, corrige ou. En même temps, ceinturon nan men pour faire d'autres choses. Lors prier, par exemple, bon simple exemple. En nous, par exemple, la mer rouge, par exemple. La mer rouge,
Il y a deux événements passés là-dedans. Et tous les événements sont demandés et ont révélation pour comprendre. Même là, mais ça a bon Dieu permet ouvert pour que Israël passe. Et même là, mais ça a tout bon Dieu servi à lui pour enterrer le monde. L'on a parlé de la parole de Dieu en épée à deux tranchants. Tout ça symbolise puissance. Épée qui pour protéger la kou, dans le jardin d'Eden, en javon, épée flamboyant ou bien whatever. Épée qui a piqué ennemi pour même se protéger, le protéger. L'on prie, bon Dieu, pour dire, bon Dieu, campe, il dit comme ça que serviteur dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si lion a venu pour un lion a tombé, a terrassé, ou petit glab venu a terrassé, à qui ça? C'est même EPA qui a protégé là et même EPA tout cap défendre. Et ça fait que parfois, il y a un pile bataille nous entre la donne, c'est parce que nous pas porté bataille là-bas et mettre les. Nous trop pressés ou bien nous peur. L'homme en général, naturel, c'est la peur. Une fois qu'on peur, une fois qu'on a bataille ou peur, ou déjà perdu. Mais le fait qu'on est brave, et puis l'esprit ou bien l'émotion descend, et pour fixer les yeux mieux, ou capable de prendre une bonne décision pendant nos situations. Mais pour peur, moi, le fond. C'est le monde qui est capable d'essayer d'eau. C'est ça que nous disons là. Il tire, il fait monter des nuages des extrémités de la terre, il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Mais est-ce que vous pensez que c'est seul trésor ça que bon Dieu gagne? Il y aurait l'éternel des armées, c'est ça, nous avons là. Pour qui ça, vous pensez qu'il y aurait l'éternel des armées? Bien que c'est chef toute l'armée, dans le ciel et sur la terre. Quel que soit autant de gros, des armes nucléaires, des armes, ce n'est pas un homme sur la terre qui a fabriqué une âme pour détruire la terre. La terre créée par la parole et la terre gagne pour détruire par la parole. Ou qu'a fait zam pour détruire un quartier, une nation, on va capable détruire la terre. Parce que autrement ou dépasser créateur. Et ça ou prend pour faire zam nucléaire ou bien quelque chose à lier qu'on rejoigne. Et dans le ciel sur la terre. Moi le bon secret. Pas gen anyen bon Dieu créé, li pa créé contre lui. Li ka nan mon kon sa, mais bon Dieu créé contre lui. Ou gen zam nucléaire nan mon, bon Dieu gen tan gen nan men. Ça pour le défendre. Et ça fait que on moun ki en Christ, moun des hommes a parlé des armes nucléaires baga ça pour qu'ils soient paix. Dis-moi ti pour qu'ils soient paix. Ou pas connait bon Dieu capable mais capable zam nucléaire gen droit ou gen droit déclencher. Et puis c'est papier la papier et puis bon Dieu qui gon vent dans trésor et puis li gon vacuum et puis la aller tout il va faire li faire. Et ça fait que moi même m'pa appeler les hommes à faire bruit. M'pa appeler les hommes à faire bruit. Bruit m'pa c'est les bon Dieu fait bruit. Ou qu'on n'est pas gain rien sous la terre qui est plus puissant que les deux éclairs contre et puis au bail l'oreille. Si bon Dieu voulait servir à ça pour le détruire, la terre n'est pas capable. Pas bon, ici, nous avons vivre dans un phénomène, quelquefois, les nourritures nous regardent, nous, ou pas ici tourbillon craser caille tout tourner d'eau craser caille racher caille c'est ça tout bagage ça bon si bon Dieu voulait détruire le monde vous pensez que bon Dieu va détruire le monde on nous parler de trésor qui l'autre bagage vous pensez bon Dieu qui dans trésor songez que nous on a fait avec un bon Dieu qui a fait salver Jean le voulait, l'elle voulait, côté le voulait, et pas personne qui a campé devant nous.
pour dire rien. Allez-y. On a parlé de trésors, bon Dieu. Non, puissance que non puissance. Est-ce que c'est littéral ou bien littéraire? Parce que bon Dieu lui-même, il s'est m'en parlé et puis tout bagaille a fait. Trésor, vrai trésor dans bon Dieu. Il a fait bon Dieu. Tout ça, ouais. Très bien, belle question. Tout ça, ouais, sur la terre, c'est ombre de vérité qui est dans le ciel. L'or, l'argent, tout ça, ouais, ce que moi, avant, nous considérons comme trésor, c'est bien qu'à passer. Vrai trésor éternel, c'est dans le ciel. Ouais, j'en bagaille sur la terre belle, j'en bagaille sur la terre admirable, honorable, acceptable, aimable, durable, non, pour quelque temps. Dans le ciel, l'éternel. Là, parle de trésor, soit ouais, sur la terre, que il m'en a tué mon poulia, goumen poulia, raï mon poulia, c'est radot. Parce que, wap kite l'. Ou goumen à mon nom, ou levez le fois par terre pour on caille, ou bien ou prend tel, ou bien fait tout bagarre avec lui, ou fait gens pour prendre, ou bien cette fois, wap kite l'. Mon père dit, relation, on peut dire communication, on peut dire tout bagaille, on peut quitter. Il disait avec que nous avons besoin d'être très sages et dans nous-mêmes en tant qu'hommes. Pas qu'il y a un qui doit gâter relation avec un frère, avec une soeur, relation avec bon Dieu, depuis que c'est sur la terre qu'il y a. Parce qu'on peut quitter. Un lien sur la terre pas éternel. Et ça fait que Jésus-Christ déclarait. Pas mettez trésor ou bien pas ramasser trésor ni placer trésor côté la teigne, la rouille et la guerre ou bien du feu ou bien vent qui a détruit, mais au contraire mettez trésor dans le ciel côté que on a pour exemple tangible dans n'a vive connière sous tape garder Ukraine avant Poutine décider pour croiser toute bagaille à connière ça penser si Ukrainien ou te mettez tout yo même tout trésor yo nan building yo adoré building yo yo remet statue yo yo remet tout bagay ça y a gade kounya est-ce que tout bagay va aller mais si c'est dans ciel qui est-ce qui prend trésor ko gen dans ciel pour me répondre nos frères elle n'a pas de trésor sous la terre pas gen trésor sous la terre gen sur la terre gen en apparence écoute songez bien la terre, c'est bon Dieu qui est dans le ciel là qui crée. Ça veut dire que si on bagaille qu'on voit sur la terre ou bien sous la terre qui fait les hommes abgoumen kounya ba l'homme les hommes importance, pensez dans le ciel. Dit ça qui est dans le ciel là plus gain plus valeur. Mais on a parlé de trésor. Pasteur, bonne question. Les hommes à bataille fait tout beau gars ça yo tuer moi ils font pas quelque bagaille. Ça bon Dieu dit na casa yo. Pardon? Et bon Dieu garder toute bagaille qui a passé. Qui ça dit na casa yo? Qui ça? Qui ça dit? Qui ça dit na casa? Qui ça dit na ça toujours dit? Maman? Ça qu'elle toujours dit. D'après la Bible. Nebuchadnezzar a fait ça, il y a un grand ceci, a fait grande déclaration. On a un clin d'œil, bon Dieu, fait Nebuchadnezzar, allemand, Yézeb. Les hommes, l'Égypte, a monté les épaules, a fait toute qualité, on a un petit moment, on n'est plus. Les qui, par exemple, actuellement, qu'on a fait ça, ouvre les bons. Tout autant que bon Dieu, beaucoup fois, par la tête, n'a pas parlé, mais comme Dieu dit non, arrêtez, sachez que je suis Dieu, tout le monde entre dans le calme. Tu avais dit, bon Dieu, beaucoup parler, comme Dieu parle, ou regarder ça qu'a fait. Pardon? Poutine gagne 3 mois. Poutine gagne 3 mois. Et ou pas, la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, gagne toute qualité par ça. Ça, bon Dieu, toujours parlé. Ou quand pour qui ça, bon Dieu, qui était tout dans sa fête? Qui était m'a ou yon idée? Si la pipa parle au lit de l'homme méchant, quel homme méchant? L'homme bavle ou l'homme? L'homme bavle ou l'homme? L'homme, c'est ça, il est homo homini lupus. L'homme, c'est un loup pour l'homme. Si seulement la Bible t'a essayé de parler de ça, ou pas qu'on m'a une méchanceté pareil. Comment t'as fait la Bible? Pas d'abord dit la Bible, c'est pas un bon bagage qui va y en vrai.
Si la Bible parle de la mort, si la Bible parle de on a tué l'autre, bien c'est l'autre, puis ça va jamais fait. Qui est-ce que tu as dit menti, c'est pas la Bible. Mais si la paix devant, qui est-ce que tu as dit? La Bible a raison. Bon Dieu a raison. Et ça, on a besoin de dire. Bon Dieu dit, bon Dieu toujours parlé. Et ça fait toujours dit, quel que soit le temps de ça qu'a fait, ça qu'il a donné, je répète encore. Bon Dieu a raison, la donne. Au lieu pour blâmer, m'a dit bon Dieu, faut révéler ça qui a passé. Je me suis dit ça en primaire. Il se peut bien que moi-même, je n'ai pas assez d'expertise, ou bien je n'ai pas assez de patience, je n'ai pas assez de compréhension suffisante pour me capable de percer ça qui a passé. Mais si bon Dieu voulait révéler ça qui a passé, la raison qui fait permettre le fait, ou pas connaît. Parce que pas grand rien qui a fait sur la terre, bon Dieu pas permettre le fait. Vous comprenez, frère Moïse? Oui, mais pour qui ça a quitté méchant, quel. Je sais qu'il y a déjà un problème. Et ça me comprend? Oui. Quel méchant, bon monde, même en Haïti, regardez ce qui a passé là. Ok. Il a pris manchette, coupé, pour qui ça les hommes viennent devenir méchants dans l'état ça? Parce que les hommes, au lieu de chercher bon Dieu, et diable qui prend, parce que, tenez bien la parole, bon Dieu. Le monde dans son entièreté est sous l'empire du malin. C'est tant qu'on y a pour monde pas compter sur monde, c'est monde chercher bon Dieu entre plus. Pas c'est tant qu'on y a pour nous pas servir bon Dieu et à comment demain on met dans bon Dieu, on met dans pied, on pied dans bon Dieu, on pied dans entrer dans bon Dieu tout bon parce que une ces quatre matins, on ne sait jamais. Ça que bon Dieu, c'est bon Dieu qu'on y a. Remarquez pour chaque bagay que bon Dieu essaye de faire en Haïti, qui baillon ouf de liberté, yo attribue à loi. Yo attribue à la cour. Yo attribue à qui on tonton, c'est si on tonton, c'est l'autre bon. Ce peuple haïtien très, très loin, malgré son peuple qui est religieux, vrai. Si y a cherché un peuple qui est religieux sur la terre, c'est le peuple haïtien. Ou d'accord, frère Moïse, dit, si y a cherché un peuple qui est religieux sur la terre, c'est le peuple haïtien. Oui, je comprends ce qui a passé là. Parce que dans le dernier temps, les hommes vont fanfaron, hautain, blasphémateur, irreligieux, ingrat, etc., etc. C'est ça qui a passé là. Mais me posons une question. Je dis que si tu avais appris un peuple sous la terre qui est plus religieux au monde, qui est ce que tu apprends, moi je dis haïtien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Religieux, vous l'avez dit. Religieux veut dire son peuple qui est très religionniste, mais qui pas son peuple très religionniste mais qui pas chrétien, mais pas chrétien. Haïtien, attendez bien ça moi dire là. Haïtien, Haïti, lui évangélisé, mais Haïti pas christianisé. Haïti évangélisé. En d'autres termes, ça veut dire haïtien attendait l'évangile, c'est vrai. Mais haïtien pas christianisé. Religion pas sauver le monde. Quel que soit le parti qu'il y a, soit catholique, ou bien ou vaudouisant, ou bien c'est spiritualiste, ou bien c'est tout qualité bagage. Religieux, ça va rapporter solution dans le problème. Non. C'est que c'est Christ qu'on y a qui peut prendre. Haïti Christ, Haïti évangélisé, mais Haïti pas christianisé. Vous comprenez, frère Moïse? Ça veut dire que quelle que soit apparence que on a fait à bagay, nous gagnons pour nous payer conséquences là quand même, parce que bon Dieu pas non doublure, bon Dieu dans vérité à tout le monde. C'est ça nous besoin faire. Non, pendant que nous besoin nous besoin entrer dans la profondeur de la prière, c'est reconnaître les valeurs de Dieu dans la vie de chacun de nous. Et c'est ça que fait ça, moi, mon frère Loriston. C'est ça que, on a la prière qui est efficace. On a la prière efficace venue de ça que nous comprenons de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce qu'on enseigne.
de ce qu'on enseigne de la parole de Dieu, de ce qu'on enseigne dans la parole de Dieu. On dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on entend vraiment? Maintenant, l'instruction, c'est base la foi. Si enseignons une fausse doctrine, quand on va passer un animal là, la bonne force, il me dit, on va aller la corriger tout de suite. Si nous enseignons une fausse doctrine, nous avons foi sous fausse doctrine. Fausse doctrine, nous avons sorti. Non, un verset mal pris, mal compris. Un texte pris en dehors de son contexte. Mais nous avons foi de ce qu'on enseigne. Ce qu'on apprend. Et ça fait que vérité, il y a deux effets. Parce que de vérité biblique là, li a religionniste. Li a religionniste. Est-ce que vous comprenez, frère Loïs Sonem dit li a religionniste? Pardon? Ni anti-religion. Et depuis que nous avons essayé, depuis que bon Dieu voulait que nous sommes biblistes, que nous sommes capables en théologien. Parce que la théologie, c'est philosophie. Samedi, dans tout côté, je m'enseignais qu'il était dans Broward College, qu'il était dans séminaire, quelque chose qu'il y a. La Bible, si vous avez besoin d'enseigner la vérité de la Bible, de pour mettre religion, la donne religion, ça le fait de déterminer. Si religion devient un dénominateur commun de ça qu'on peut enseigner, tout ça que on peut enseigner doit chita sous dénominateur commun. Comprenez? C'est fraction. Dénominateur commun, c'est lui-même qui base, c'est lui-même qui, comment tu as réalisé ça, c'est lui-même qui fondation. Il avait que nos besoins, par exemple, la petite de la Bible, nos besoins, ouais, qui j'ai un sac à papier. Maintenant, je suis monté à m'inquiéter, me dit ça. Trésor. Là où lit Jérémie, raison pour laquelle il fait le bon Dieu, l'éternel des armées, c'est lui-même qui dit ça, même, c'est comme ça a priori. Dans Jérémie chapitre 50. Il s'appelle que l'air a prié, bon Dieu, ça. Dans l'époque, il y a une circonstance qui est de ne pas connaître que bon Dieu qui défend nous dans n'importe circonstance qu'on ait ou un problème de ça, de la personnalité de Dieu en tant que Dieu souverain. Esaïe, en Jérémie 50, à partir du verset 25. Mais pour qui ça a eu le bon Dieu, l'éternel des armées, parfois le même devant ma plume dit Seigneur, bon, la guerre ça m'a connu, m'a gagné ça m'a dit, mal koto. Regardez ça, c'est vite à écrit. C'est vite à écrit. L'éternel a fait quoi? A ouvert son arsenal. Ça, les louvres nationales, ça le prend la donne. Et il en a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. L'on va analyser verset ça, on va disséquer verset ça. Nous autres, dit à l'heure, quel que soit les armes nucléaires, on homme gagne. Ça, c'est parole bouche les hommes. Même reconnaître que bon Dieu a un arsenal. Tout le monde a un arsenal. L'MT dans Saint-Marc. L'hôpital là, tout collé avec arsenal là. Arsenal, ça regarde ça qui est en don arsenal. Zam. Pas ça? Zam qui est national, puis il y a police, qui est tout bagaille.
Kazen. Kazen, c'est moi mot avec Arsenal. Ça veut dire, bon Dieu, maintenant, je connais Arsenal, c'est pour bagaille la terre. Ça veut dire, dans le ciel, là, il y a un Arsenal, pas de personne sous la tête. Si bon Dieu voulait faire, si vous voulez faire la guerre avec ciel, faites la guerre avec ciel. Et si la, si ciel voulait faire la guerre avant tout, vous n'êtes pas capable. Parce que l'Éternel a ouvert son arsenal. J'ai même j'en saute où est allé dans Somme, combien nous autres il y a. Somme 115, je crois. Hein? Ok. Bon Dieu, lui-même, il y a un arsenal. Li, et l'aile tirée dans l'arsenal, non, il n'est pas retiré dans l'arsenal. Zame de douceur, zame de miséricorde, zame de sainteté, etc. Il retire là-dedans les âmes de sa colère. Bon Dieu, ça, c'est un bon Dieu pour un monde redouté. Haïtien mettait, même j'en moi-même, je vais parler là, je tout dire tout. Haïtien mettait un qualificatif devant Dieu. Beaucoup chamoué côté bon Dieu identifié à l'homme sur la terre pour le lycée bon Dieu haïtien d'où non seulement mettez l'intercalé Dieu dans mitan de goa dit bon Dieu bon Dieu ça servir est un Dieu d'amour miséricorde et aussi un feu dévorant. Ça dépend des gens campés, des gens hier, des gens well. Et ça fait que dans la prière, l'on prié ou connaît bon Dieu ça qui bon Dieu qui est ou pas peur depuis que ou en accord avec lui. Ni retirer les âmes de sa colère car c'est là une œuvre du Seigneur. Et même Jésus-Christ. Vous devez pas amen, vous devez d'accord, mais ça la Bible a dit là. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. La seigneurie de Jésus-Christ voulait dire comme ça que ou accepter comme chef ou accepter comme lui-même qui met la vie. C'est ça seigneurie voulait dire. Seigneurie voulait dire comme ça que m'accepte. Jésus-Christ m'accepte comme c'est vous qui contrôle toute la vie. C'est ça mot Seigneur voulait dire lors dit ça. C'est là une œuvre du Seigneur. Remarquez que verset 1 pas et œuvre ça pas défini. Texte ça. Il n'a pas dit celle-là, l'œuvre du Seigneur. Il voulait dire ça, c'est un travail. Ça dit qu'il y a un autre toujours pire. D'accord? Ou pas d'accord? Ça nous dit. Hein? C'est là une œuvre du Seigneur. Et puis il dit qui est l'Éternel? L'Éternel des armées. Regardez une fois que les mon abdi, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. Est-ce qu'on connaît son abdi? On connaît. Tu as gagné en guerre, pas connaître si monsieur Amalécitio t'a fait avec Israël. Et puis bataille à marée. La Bible écrit, il dit comme ça que Wash, que l'Éternel voyait sortir dans le ciel, qui est plus moun. Tenez, Mère Moïse. Moi, je vais à côté de Mère Moïse fatigué. Il y a un peu de pour lui. Mais pour le descendre, il y a un peu de situation. Ça, c'est Youn. Ça, c'est Youn dans Evio. Go côté même, la Bible a dit. Wash qui saute dans le ciel, tu es plus mon, parce que mon qui tu es par l'épée. Dans le ciel, oui, c'est Wash dans ciel. Pardon? Wash dans ciel? C'est la Bible qui dit. Vous pensez que. Ok. Vous pensez que Wash pas qu'à saute dans le ciel? Ah oui. D'accord. Hein? D'accord. Bon exemple. Le que statue que Nebuchadnezzar te levé
Nebuchadnezzar a levé une statue, il a érigé une statue, bien campé, tête d'or, l'estomac, qui c'est ça, pied fait, mélangé avec argile. Avec argile. La Bible dit comme ça que la Bible dit pour wash sacre, pour statue sacrée, gagner un wash sans le secours d'aucune main. Aller frapper l'écrasé. N'est-ce pas? A dit, tiens là, tout ça. D'où encore, tout ça sous la terre sont caricatures. C'est une ombre, yoye, de ça qui est dans le ciel. Et ça fait que là, nous avons prié, bon Dieu, ça. Là, nous connaissons qui puissance, bon Dieu, ça a gagné. Et puis il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Si vous attachez, si vous reconnaissez, et vous connaissez comment pour aller avec bon Dieu, ça, pour aller avec bon Dieu, ça, pas grand rien qu'à camper devant. Et c'est ça, il dit, rien ne pourra vous nuire. D'accord, c'est parce que qui est monde qui va l'homme connaissance, puis vous faites toute qualité de base, et bon Dieu. Oui. Qui donc, il a surpassé ça, mon Dieu. Il y en a tombé d'accord. Oui. Parce que l'homme français des avions de guerre, mais bon Dieu, il parle qui était. Ou pas penser si bon Dieu voulait faire tout ça l'homme fait sur la terre inerte, yeah. Il a fait. Parce que c'est bon Dieu. Mais ça va donner, ça fait que lorsqu'on est bon Dieu, ça va servir. Qui bavardage que l'homme a fait sous la terre et puis pour faire sauter. C'est pour camper devant mon nom. Il dit. Même Jean que les trois Hébreux camper dit où qu'on s'accrivait Nebuchadnezzar. M'ba perso à dire. Bon Dieu, je connais que dans la carte délivré. Daniel dit, je connais bon Dieu qui dans la carte délivré. Non, mais. Vous comprenez? Le camp est ferme avec bon Dieu ça. Là, le temps nous. Là, le temps nous dans le piège là. Là, le temps nous côté à la vidéo là. Et puis, c'est regardé. Et puis, tout le monde saisit. Tout ça que bon Dieu fait à un monde pour expliquer, c'est pas bon Dieu qui fait. Tout ça que bon Dieu fait, ou pas pour expliquer, parce que ou pas connaît comment le faire. Ou ka wè comment le faire. Mon par contre comment le ranger. Ou par contre comment le faire. Li fait pour cette raison. Ou dit Seigneur, ou c'est bon Dieu tout bon, bon gloire. Vous comprenez? Ou capable dit comment on fait bon. Parce que vous coupez, vous faites tout bagaille, vous mesurez. Mais il y a des bagailles bon Dieu a fait spécial dans la vie, pas dans la vie. Bon, si vous expliquez, ce n'est pas bon Dieu qui fait. Pasteur. Frère. Bon, pas tout à fait en question. Mais. La Bible t'a écrit, la Bible fermée. Tout, nous, ouais, tout ça qui fait, tout le bagage qui fait. Yeah. Mais bon Dieu toujours a fait miracle jusqu'à maintenant. Correct, oui. Mais par, nous n'avons pas un compte pour nous écrire, pour nous parler, tout pour dire, mais tel bagage qui s'est fait là hier, mais tel bagage qui s'est fait dans quelques mois qui est passé. Donc si tu as amen, comment tu as expliqué ce qui était pour écrire, pour mon tap dire, parce que le bagage toujours a fait tout le temps. Il toujours a travaillé. Ça veut dire ça montre l'existence de Dieu. Oui. Bon Dieu est toujours présent. Oui, mais nous parlons pour nous dire, mais tel ça, tout passé là, tel monde, mais tel va. Mais. Tu as vécu déjà. Oui, mais ça. Il t'a appelé que la Bible continue à écrire toujours. Pour que mon t'a parlé de tel bagage comme qui se fait sur le fait là. Parce que il toujours fait miracle chaque jour. Toujours fait miracle, mais quand il n'y a pas écrit. Alors. D'accord. Il n'y a pas besoin d'écrire. Parce que tout ça qui te doit écrit déjà écrit et fin écrit, qu'il y a l'homme à vivre. Sous l'homme à vivre de ça qui est écrit, reconnaître bon Dieu comme puissant. Tout puissant. Même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas besoin de écrire au niveau. Quelle est notre définition de la Bible? Une fois hier soir, j'ai essayé de dire ça. La Bible, c'est constitutionnel. On prêche là, déjà sous la Bible. La Bible, c'est constitutionnel. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la constitution du ciel. Qui travaille la Bible fait? Que Saint-Esprit bon Dieu fait en dedans, livre ça et Biblia.
Mon Biblia, c'est un collectif de tout, de plusieurs livres. Qu'est-ce que nous dit comme ça? Nous, c'est la Bible, mais c'est un Biblia. En grec, il dit plusieurs livres qui font un seul. La Bible. Mon bibliothèque. Ok. Mais bon, bonne définition la Bible. Vous pouvez faire une pièce côté, mais vous pouvez obtenir à soi, peut-être. Et puis l'autre monde qui contourne, poutourne, qui attendait déjà. La Bible, c'est constitution d'un pays qui préparait toute citoyenne avant d'aller dans le pays. Soit sorti aux États-Unis, ou à Binicite, ou décider pour être, ou apprendre la constitution pays pour capable d'être citoyen. En Haïti, tout pays que vous voulez aller. Seul pays que l'homme doit préparer pour la donne, pour devenir bon citoyen avant de monter à la donne, c'est le ciel. La Bible, c'est lui-même qui prépare ou pour aller dans le ciel. Ce n'est pas qu'on arrive ou pour aller préparer ou pour venir citoyen, pays ça, mais on doit préparer depuis qu'on y a. Qui est ce professeur que nous gagnons comme directeur par excellence, la donne Saint-Esprit? Si vous pas accepté pour Saint-Esprit, instruire, éduquer, aider, comme Jésus-Christ a dit, m'a voué consolateur à venir. L'El vini la va enseigner tout bagay. Il a pris un bagay qui n'en sème pour lui expliquer tout bagay, etc. Si vous pas d'accord pour préparer, pour que le Saint-Esprit travaille avant, based on the Bible, vous pouvez pas aller. Vous mettez quelque soit l'école, diplôme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, dans cette matin. La Bible, c'est constitution ciel. La Bible est la parole de Dieu. Mais la constitution du ciel. C'est ça qui fait que, il y a un livre que aucun homme, sous la terre, grand écrivain soit-il, ou fut-il, écrit qui est compatible à la Bible. L'homme écrit pour la terre, mais la Bible écrit pour le ciel. Tout ça va vivre dans quoi sortir, mais tout ça qui a passé sous la terre en dans la Bible. Oui. Pour qui ça y est, comme la Bible a dit, pour servir comme exemple, pour servir comme vérité, que la Bible, c'est ça qui a prouvé, ça y est, la véracité de la Bible. La Bible, c'est le livre qui est vrai, parce que malé Israël, que me fait là. Oh, 9:5. Malé Israël. Même malé Israël avec curiosité. Oui, malé Israël avec curiosité. Et mal avec des questions dans boumren moi, dans cerveau moi pour me capable faire des découvertes. M'aller en Égypte, de m'arriver en Égypte. Nous dormi en Égypte. Nous allons manger sur le Nil, qui c'est lui-même highway de l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Ça veut dire que Israël, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Ça veut dire le Nil, c'est la première rivière qui sorti dans le sud, qui est dans le nord. Parce que le nord toujours représenté un côté qui est plus haut, pas ça? Pour descendre. Mais le Nil, il sorti en Afrique du Sud, traversé, aller en Égypte. Il y a un que l'eau sous le Nil, là, comme si ou où son highway, gros bateau, restaurant, tout cas de bagaille, ou sous le Nil, ou a passé en soirée, ou a mangé sur le Nil.
Là, nous arrivons, ni le plus gros calendrier qui gagne sur la terre, qui gagne tout bagaille le monde. Dans lui-même, c'est Alexandrie, dans même Égypte. Où est Pharaon, yo? Madame Palo de Fnou, où est Pharaon, yo? Pharaon, yo? Où est Montmian? Et comment yo embaumé la existence siècle des siècles, et puis le rete la wap gade, tout bagay sa yo. Mais, si gon pays magique, côté la magie bas son plein, c'est Égypte et Israël. Là, nous finissons en Égypte, puis nous prenons route pour aller pour Israël, nous passons dans le désert là, nous allons visiter les pyramides. Des pyramides, vous finissez pyramides, ou pyramides là, ou regardez ça, pyramide là, tout côté, ça pyramide, c'est là, ils ont enterré Pharaon avec tout trésor. Qu'on a offert au Sigé pour désert là, on va passer dans le désert. Oui, là, fait ça, on va aller dans le désert là. Depuis que je suis en Égypte, il y a l'Ancien Testament comme boussole. GPS, moi. Mon tout mon abba histoire, il a parlé moi-même, m'a suivi séquence, j'ai la Bible à écrire. Et puis m'a suivi, m'a pralé. Un seul côté en Égypte, qui meilleur côté que moins ta carité, c'est Gozen. Parce que Gozen, c'est côté qui plus fertile en Égypte. L'aide de l'eau descend, et puis elle fait Amala, elle arrête là, et puis de l'eau capable de briter tout le bagage. Ils offrent laquelle qui fait de l'eau arrête en pile dans Gozen, parce que épaisseur terre qui est dans Égypte, les plus profonds, n'a pas le dit ça, on était arabe la couche avant, ni combien de kilomètres avant qu'on rejoigne ta jeune roche en bas. C'est là seulement, depuis de l'arrivée là, les rivières. Je ne vais pas répéter l'historicité avant pour capable comprendre ça. Côté Gozen, de vous quitter Gozen, même aller dans la capitale, dans la zone Égypte, par exemple, ou bien yon grain blé qui tombe en dans le pays, ça, il n'est pas poussé. Passez par un serein. T'es à pas jamais mouillé. Pardon? Poussière. Gen poussière, mais poussière pas humide pour ta pas pourri grenna. Poussière, mais pas gen humidité qui pour pourri grenna. Di gren blé a tombé là. Non, côté que yo fait dépôt nan pyramide yo. Pyramide qui gen dépôt a, gen blé en dan pyramide là, qui en dan pyramide là, qui pas qu'à gâter même du tout. Parce que son pays, où la donne, vous sentez ou à brûler à soleil. Hein? Non. L'autre pays. Et c'était Gozen. Comprenez? Maintenant, nous voyager, nous arriver, passer des heures avant nous entrer au Sinaï. Passer des heures. Et puis, Bible là même. Et puis, quand il y a, tu as une source d'eau, tu as les Moïse qui te caille, Pharaon, dans le côté Jétro. Où est-ce que tu as Bible là même. Et puis, quand il y a, guide là, prend, lui mène au côté Jétro. Et puis, il montre au côté source d'eau, et source d'eau, toujours, il y a de l'eau là-dedans. Mais, ou à fond pour ou à garder tout bagay sa yo, mais quand j'ai tout, mais tel bagay kounya, nous allons kounya, n'a pas avancé. Là, nous arrivons carrément à Malécite. Quand elle a toujours existé? Pardon? Quand elle a toujours existé? Non, yo mouto, quand elle a côté, quand elle a été, tout bagay à terre, tout bagay à terre net, et puis yo mouto sous l'eau, et puis ou même avec quatre là qu'on gagne mon et aussi Bible là qu'on gagne mon qu'on va suivre tracé. On côté pour Israël t'a fait soit 40 jours.
par imagination. Quand on est nous-mêmes, nous sommes capables de faire marcher dans la nuit et dans la journée. Il n'y a pas de rituel. Il fait 40 ans. Là, nous arrivons carrément, nous voyons côté Amalécite, si tu n'as pas voulu Israël traverser pour traverser. Vous connaissez comment la fête? Là, nous avons un bis, nous avons regardé, nous avons essayé d'un acte qui n'a pas entré. Un acte de roche. Et là, nous entrons là-dedans, nous voyons des démons qui ne sont pas contre nous. Là, nous arrivons à Sinaï. Là, nous arrivons à Sinaï, il y a un hôtel dans Sinaï, nous dormons. Là, nous dormons dans le Sinaï. Je me dis, qui est-ce qui voulait monter mon Sinaï? Je me dis, je suis jeune, je me dis, je ne vais pas seulement apprendre pour un plaisir comme touriste, mais je vais apprendre. Je dis, je me dis. Je dis, pour aller, c'est pour que ou pas dormir, pour aller depuis 17 soirs, pour commencer à monter, et puis jusqu'à ce lendemain matin, on va priver. Après ça, quand ils sont, donc ils m'ont dit, ils m'ont dit carrément, et les mouvements me joignent guide là, chameau, première fois dans la vie, m'a monté chameau. Négla dit me comme ça que, soit chameau penché à gauche, penché à gauche, soit elle penché à droite, penché à droite. Mais s'il penché à gauche ou penché à droite, nous pas responsables. Première station, d'accord. Monter. Là, nous arrivons en côté, chameau n'a pas continué encore, il mettait dans la tête, il nous prend un responsable à pied pour nous monter. Là, nous arrivons, nous venons dans une petite chapelle en l'air, le soleil a levé. Quoi, si nous voulons, nous pouvons dire que c'est un jour, c'est incapable de nous aller. Le soleil a levé dans la tête, au cas où levé mon compte, on a senti qu'il a touché le soleil là. À force de prier. Et puis, il y a deux comme ça que, pas perdre du temps en dedans. Parce que le rayon soleil a frappé pour trois fois. Ou obligé de descendre dans les médias. Je suis descendre dans le monastère. Là, je suis venu dans le monastère, je explique que je montre les buissons à dents, côté Moïse, c'est ça. Après ça, quand il y a là, nous allons continuer la route pour Israël, nous allons aller à dans les Kounia sur la mer de la Galilée. Ça y est les mers en Israël, excepté que mer rouge ou bien mer des roseaux. Mais pour qui ça y est les mers rouges? Y est les mers rouges, c'est pas parce que de l'eau a rouge là, bon? C'est parce que tout autour, non, côté monde en terre en rouge, et puis le reflété dans l'eau. Mais parfois, c'est parce que dans la Bible, il y a un côté qui met mer des roseaux ou bien mer rouge, selon la région. Il y a la mer de Galilée, la mer de Galilée, la mer de Tibériade, tout c'est ça, on sait le droit, qui contourne, qui pourtourne toute région. Chaque zone, ou bien chaque ville qui est arrivée, il y a une ville. Mais mer, ce n'est pas une mer tant qu'un océan, c'est un de l'eau. Non, je parle au mer rouge, je parle au dé de l'eau là. Je parle au Jourdain. Jourdain, c'est les mêmes qui mer de Galilée, c'est les mêmes mer Tibériade, c'est les toutes mer. Ça veut dire que chaque côté qui arrive dans la ville là, il contourne, il pourtourne, il y a le nom de la ville là. Ça veut dire que je fais une historicité ensemble avec vous pour montrer que il y a un pile de bagaille et pour me dire avec frère Moïse, la Bible a écrit à toute réalité. Il y a des choses que nous-mêmes n'avons écrit par nous, nous avons mis qui dépassaient. Mais la réalité est là. Là, nous arrivons côté que Jésus-Christ choisit, t'as dit côté Pierre, déclaré, tu es Pierre, si c'est Pierre, il bâtira mon église. À Philippe, César, Philippi, ni là. Ce qui vient de plus rendre la plus difficile, c'est pour sortir Israël qu'il y a pour la Palestine. Dans l'époque que David était là, Palestine et Israël étaient en seul. Ils étaient gouvernés par un seul. Moïse. Quand il y a pour sortir en Israël pour la Palestine, c'est un autre visa au besoin de mettre dans le passeport. Parce que pays ça, il n'y a pas d'amis. Mais guide là pour on y mettre sous territoire Israël.
Pendant que vous levez, vous consommez le mito là, ou sur le territoire Palestine, c'est un guide palestinien qui pouvait entrer en Palestine. Géon mi qui grosse kaila qui sépare territoire. Et puis géon route en bas tout mian qui fait SS, ou par contre, sous Israël, ou par contre, SS, chaque côté arrivé, on kafou, on immigration. On kafou, on immigration, et puis ap tire passeport avant même, ou yon renom pour vous apparaître en côté, pour vous apparaître dans l'autre pays. Ça qui l'autre bord dans Palestine. Bethlehem. Bethlehem. Bethlehem, c'est côté Jésus-Christ fait. T'as dit Jésus-Christ fait. Sous territoire palestinien. Actuellement, qu'on y a. La Bible est vraie. L'histoire de Jésus est vraie. Pas qu'on a fait de ça, c'est ça, ça. Non, livré, tangible, concret. Mais c'est si ou qu'on soit cherché. Lorsqu'il est carrément ou mal visité côté Jésus-Christ fait, nous faisons cette scène là. Nous allons dans le portique de Salomon. Et en bas de bois, et on montre au côté berger, en bas, on va regarder, que tout le monde a fait là. Ça veut dire que là, on arrive là. Mais le problème qui vient de arriver entre Palestiniens et Israël, là, on est souvent un Israélite venu en serviteur messianique de Dieu. C'est un juif de grand cœur. Qui, ça veut dire, dit transculturel. Foi, dit transculturel. Parce que il pas prêt dire bon regardez Kounia Jésus-Christ est sous comment il me dit tout là Palestine qu'il fait ça veut dire que si m'a accepté Jésus-Christ son palestinien m'a accepté dans l'époque ça Israël Bethléem c'était capitale et Bethléem veut dire maison du pain comprenez Bethléem veut dire maison du pain maintenant c'est là bas il tape des olé tape tout bagage. Même si que géographiquement bah yon vin séparé bah ça mais l'organe la Bible en main pas grand rien qui pas vrai. Jésus-Christ est fait en Palestine. Pardon? Jésus-Christ est fait en Palestine? Non, actuellement qu'on y a la vin palestinien. Oh. Mais à de Nazareth. Oui. Ça de Nazareth. Non, c'est oui Bethléem fait une partie on t'y contre. Dans zone Nantes, à des temps où il y a Haïti. Et puis Haïti, il y a un petit coin. On ne sait pas que les gens la ville va visiter. Hein? Dans la bidonville, peut-être? Oui, Jésus fait Nazareth, mais dans Bethléem. Oui, Bethléem. C'est ça. Oui, quelle question tu as fait pour nous terminer? Est-ce que ça veut dire que bénédiction toujours là, Gozen toujours été fertile jusqu'à aujourd'hui? Oui, Gozen c'est grenier. Égypte. Ça veut dire que la bonne Dieu pour béni nous. C'est grenier Égypte. Et c'est béni soit l'Éternel que bon Dieu te prépare Joseph pour dire c'est la pour vous. Combien de kilomètres nous l'avons là? Parce que nous l'avons des contestants de petits en latin, par le Nil. Parce que combien de kilomètres nous l'avons de longueur? On va parler de capitale. De côté, le commencer jusqu'à ce qu'il finisse. Non, non, je ne parle pas de. Des kilomètres, je ne parle pas de rappeler. Non, je parle de la longueur du Nil. Combien de kilomètres de longueur du Nil? Non, on va parler de superficie, Gozen? Le Nil. De côté, le point d'essence. On va parler de Nil? Oui. Oh, Nil. Le Nil traverse le continent. Il y a combien de continents en Égypte? Rivé là, de par là, et puis pour le contourner. Tout le pays a pu retourner encore. Okay, non, ça veut dire qu'il n'y a pas mesure. Il y a une route highway, route principale. Ça veut dire que n'importe où que a besoin d'aller. Il n'y a pas besoin d'aller à Dodan. Utiliser cheval, lui, puis aller en Égypte. Il y a pas un Nil, il y a aller. Donc, combien d'âge est-ce que ça? Oh, l'âge. Oh, l'âge. Et plus profond, est-ce qu'il est profond? Elle est profond. Pas jamais séché. Non. Ou bien regarde l'eau, regarde la page. Guide l'a dit ça, pas jamais séché, ni le pas jamais descendre plus bas. Parce que raison pour laquelle, qui fait que côté la pluie, de tout côté, a tombé, neige, a tombé. Il était chaud. Il y a une petite live, une fait basse. C'est la vie à ça.
OK, que côté bon Dieu t'ai fait roche ta tomber. Thank you pas et pasteur Paul ou bien ah, OK. Josué 10 verset 11, c'est là bon Dieu t'ai fait roche. Non, mais vous tapez un micro là. On met un micro à Kounia. Il dit Josué chapitre 10 verset 11. OK. Il dit comme il fuyait devant Israël et qu'il était à la descendante de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Oh, est-ce que vous voyez ça? Moi? Oh, moi, t'es d'accord. Non, d'accord, c'est une, mais l'île. Yeah. Et l'île pour capable retourner, encore pour capable. Et pour capable rafraîchir mémoire, mais dans son jeu que nous toujours dit au consacré, d'après Josué 10, 11, c'est un texte, mais contexte à folie. Mba ba nous habitude pour nous lire seulement et non, ça, Josué 10, 11. Nous disons grand merci à Pasteur Paul. C'est ça que, ouais, jusqu'au côté Pasteur Paul, il y a avec nous dans l'étude là. Ça veut dire ça nous besoin. Nous faisons un team pour nous étudier l'un à l'autre. Et on remercie à vous, mon frère. Thank you very much. So, ça veut dire que ça est très important pour montrer que, encore, quel que soit roi sur la terre, quel que soit l'homme sur la terre, quel que soit saleté, si ou connaît à qui bon Dieu on a fait, ou pas besoin de secouer à ça l'homme sur la terre. Et moi, ma combat, je vais continuer. Dans la Bible même. Plus nèg la parle en pile, c'est l'air qui va mourir. Donc, il y a 4 paraît, il y a 4 têtes, ça paraît, il a parlé de ceci, c'est là, c'est là. Il va pas dire bon Dieu, gloire. Bon, bon Dieu dit, ok, Nike. C'est ça qui fait que, on ne peut pas quitter l'homme qui a frappé pied dans nos problèmes. On nous garde sur l'éternel. En d'autres termes, ça nous voulait dire pour nous conclure. Ça nous voulait dire pour conclure, si vous ne connaissez pas ce que vous demandez, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous avez besoin. Maintenant, nous n'avons pas affaire homme, nous avons affaire Dieu, lui-même qui est tout puissant, lui-même qui a toute source de bénédiction, lui-même qui gagne toute bagaille dans la main et tout ça qu'on voit sur la terre, sorti dans le ciel, descend. Ça veut dire que le ciel a toute qualité de bagaille qui gagne et super de tout ça. Ça veut dire que quel que soit ça où l'homme a fait, bon, c'est bris sa patte. Mais quand bon Dieu parle, il dit, ok, attendez bien, pas qu'il y a une âme qui on a fait sur la terre, qui pensait qu'il a détruit entière, toute la terre en général, que bon Dieu pas gagné, pas gagné tant, qu'il y a une âme pas préparé pour le défaite lui, parce que personne au monde pas qu'à détruire ça, bon Dieu créé. Même Jean bon Dieu dit, la terre, que la terre fuit, la terre soit, par la parole, et c'est la parole même aussi qui a détruit la terre. Les hommes pas capables. Amen. Question de la prière. L'est-il? Avec question de la prière, vous dimanche pour ça, pour ma dixième. Tu vas quitter la question là, pourquoi? Non, Dieu, on met question de la prière, on va monter au grippe. Non, on va poser le mal à apprendre, et lui-même, il m'a tourné, à l'aise. Non, ça va tout là, on va pas faire nos réponses. D'abord que, alors, la prière. Nous avons fini. Nous avons parlé de le sang de Jésus-Christ. Le sang. Et définition que on est sang, il est passé péché nous. Et par rapport que nous péché nous est passé, nous allons aller directement pour Jésus-Christ. Ok. Mais dans le temps avant que l'Ancien Testament, il faut que Mounio ait gagné un agneau, quelque bête sans tâche, pour te offrir sacrifice. Est-ce que c'est péché qui t'est passé ou bien c'est couvert sans sacrifice à découvrir?
Et ça, il n'y a pas de possibilité à qui ça s'est passé. Attendez, ok, très bien. Belle question. Pas même besoin d'admettre la frigidaire pour faire place, pour le finavel, pour le bac à fond. Sans bête, il était satisfait, bon Dieu, dans l'époque ça. Mais il n'a pas été retiré péché. Il n'a pas effacé péché parce que s'il était effacé, il n'a pas besoin de présenter chaque année. Pas ça? Jésus-Christ vini pendant que Jean lui-même a fait travail par lui, voyait Jésus-Christ a passé. Il dit, attendez, voici l'agneau de Dieu qui couvre le péché du monde. C'est ça? Okay. Bon. Qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ seul qui a le pouvoir pour ôter le péché. Raison pour laquelle, qui fait que Jésus-Christ seul a le pouvoir pour ôter le péché, qu'il était bête, qu'il était l'homme, toutes ces créatures. Pensons, qu'il était bête, qu'il était l'homme, toutes ces créatures. Mais une créature qui créait à l'image et à la ressemblance de Dieu, un animaux, sans animaux, pas capable de faire une grâce devant bon Dieu. Parce que l'homme supérieur à bête. C'est bon Dieu seul qui a payé pour l'homme. Après ça, pas gain rien sur la terre encore qui est capable de payer pour l'homme jeune. Grâce devant bon Dieu. Miséricorde. C'est bon Dieu tellement aimé l'homme. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il y a des gens qui ont des mondes, ils ont des bois, des animaux. Non, le monde n'a pas laissé l'homme. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, bête pas qu'à croire en lui, oiseau pas qu'à croire en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a dit que ça, c'est l'homme. Et ça fait que parfois, ce n'est pas toutefois, ouais, monde dans la Bible, et puis monde lui dit, et cosmos. Then, ça vient faire. Bête, bon Dieu, pas quitter nous tomber plus bas que bête. Mais bien que l'homme lui-même conduit tête plus bas que bête, mais bon Dieu toujours considéré l'homme au-dessus de bête. Après Dieu, c'est l'homme. Vous pensez que si après Dieu, c'est l'homme, ils sont bêtes qui vont le payer pour? Non. Ils ont fait que sans bête, pas capable. Vous remarquez ça pour eux. Malgré Israël, puis peuple juif là, pas voulu voir Jésus-Christ, pas reconnaître lui comme Seigneur, pas reconnaître lui comme Dieu, bal toute qualité de connotation que vous voulez. Les couper, ça relève sacrifice qui est fait chaque année. Il va faire encore. Pour qui ça, il va faire encore. Et dans ce cas, il y a une puissance là. Il va faire encore. Ça veut dire qu'avec Jésus-Christ, bah, ça va prohiber. C'est là pour montrer que c'est le sang de Christ qui est capable d'être là. Après, ça va gagner notre sang encore. Yes, brother. Madame Chita, elle m'a réfléchi en question. Elle nous considérer que bon Dieu lui-même est plus capable d'être le peuple d'Israël là et nation ça, côté oui là. Et nous sommes les qu'il était au droit, puis il était capable de tuer tout le peuple qui était dans Canaan. Canaan, ok. Et non seulement ça nous gêne dans Jésus, mais aller dans Jude, dans tout l'autre religion, nous voyons que bon Dieu a le droit pour détruire, tuer, lâcher. Et ok, c'est bon Dieu qui t'aime ça. Mais comment faire bon Dieu qui t'aime Monsieur ça, qui a fait travail ça. Et Hitler aussi, qui t'a tué des milliers de juifs. C'est pas bon Dieu qui t'aime le droit qui t'a fait ça. Et non seulement ça, nous gagnons tout yo, nous gagnons du bagage. Pour qui est ça bon Dieu qui t'aime tout le bagage ça arrivé, alors que c'est pas lui qui baille monsieur ça le droit, puis au tuer. Et ça qu'a fait actuellement même là, dans l'Ukraine. Vous voulez me répondre? Of course. Je te dis à Frémio avant de venir. Si bon, la Bible a parlé de l'homme méchant, quel homme tortué,
Et nous pas de chambre, moi ça dit, nous pas de chambre, nous connaissons que si la Bible a raison. Et nous besoin connaître que nous vivons dans le monde ça, nous vivons sous l'empire du diable. Quel que soit le monde, depuis qu'il était diable, entre dans lequel, il agit comme diable. Je suis bien content de vous dire que ce n'est pas bon Dieu qui permet que le monde agisse comme ça. Mais le bon boss, le bon chef, c'est diable. Ça, diable fait. Diable n'est que voulait détruire la race humaine par, en passant par l'homme. Il joue un cœur, il joue toute façon, il joue un moyen pour le faire, il fait. Oui, oui. La volonté est permissive de Dieu qui te fait pour moi avoir comprendre. Oui, comment l'homme méchant, et puis quand Dieu dit c'est assez, tout va y passer. Alors, s'il n'est pas fait, comment on fait qu'on est que bon Dieu tout-puissant? Par les puissances de l'homme. Là. Da, ça, c'est bon Dieu qui connaît ça. La question posée m'a fait, non, mon nom, c'est ça. M'ba ka aller là ni ou pa ka aller ça c'est bon Dieu connaît mais celle bagaille que me connaît bon Dieu qui était tout ce qu'a fait là il pas absent il a une raison qui était le fait l'a fait et très bientôt très bientôt n'a pas pour qui parce qu'il y a pile bagaille bon Dieu qui te permet de faire il s'est resté comme instruction pour nous parce que si la Bible parle d'un bagaille qu'on pas jamais faire expérience li pas jamais agir on va dire non tant ça la Bible te quoi il comme ça qu'on y a temps changer même temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même homme qui te gagne dans temps Hitler, dans temps ceci, dans temps Tourilio, dans temps Alexandre le Grand, dans temps Nebuchadnezzar, c'est même homme. Seul homme qui est nouveau, c'est l'homme qui est né de nouveau. Oui, parce que ça fait ça. Parce que en pile fois, moun pas servi à Bible de bon sens. Parce que moun gen moun qui servi à la Bible pour pas mauvais côté. Mais moi, avoir béni soit l'Éternel, Saint-Esprit, bon Dieu dit, non, c'est bon côté pour nous prendre. C'est vrai, ça dit. Il y a des moun qui lit Bible là, même genre, ou pas être non péristyle par exemple. Ou est-ce qu'il y a une Bible dans le péristyle quand il y a un bon corps? Vous pensez que c'est pour le sauver l'homme? Vous pensez que c'est pour le guérir l'homme? Vous pensez que c'est pour le... Non, il prend un mauvais côté. Parce que la Bible a parlé de diable tout. Diable, elle me dit diable tout, ce n'est pas deuxième. Non, diable aussi. Oui, alors, c'est pas sous. Il n'y a pas gagné même direction, il n'y a pas gagné même. Même mission, même ordre de route. Ça fait que nous avons besoin de ces jours-ci très lucides pour nous capables d'arriver à dépister, n'est-ce pas, la vérité. Ça fait que je dis pas les talents et frère Lemps, je dis comme ça que le nouveau problème, la catastrophe là, au lieu pour nous critiquer catastrophe là, ça me dit pour nous faire mander explication de catastrophe pour bon Dieu lui-même révéler nous pour qui ça. Parce que en pile fois nous foncer, nous émotionner, nous faire tout bagarre là, mais bon Dieu on laissant la petite la enseigner nous-mêmes de catastrophe là. Oh boy. Nous content? Oui. Nous content nous dire ensemble. 10 heures. Ben, il n'y a pas de jambes de fête. Mais quand même, les fêtes, nous disons bon Dieu merci pour ça et nous souhaitons que le Seigneur va bénir nous. Et nous songeons qu'il nous prête une bonne grosse minute là. Les blagues nous avant l'autre semaine pour nous pas trop fâcher parce que nous ne pouvons pas perdre rien. Alors, nous mettons debout pour nous terminer. Pardon? Américain va n'en faire du tout. Il est bon, mais la pointe là. La pointe là. Pasteur bien-aimé, priez pour nous, non. Bénis-nous pour nous, hein. Bon, allez, s'il vous plaît. Seigneur, nous disons merci pour grâce pour faire. Nous demandons envie, un moment pour nous venir dans la présence. Avec ce nous avons nous pouvons venir apprendre de vous. Pour finir avec nous. C'est à faire encore avancer une des choses. Nous reconnaissons non seulement pour nous capables de grandir la confiance.
confiance que nous faisons, la connaissance que nous gagnons de vous, mais aussi pour nous bien représenter autour dans le monde, ça, un monde qui est agité, un monde qui est troublé. Pour nous assez de réceptivité, assez de lucidité pour que nous soyons capables de bien représenter, non seulement dans la vie que nous avons menée, mais aussi dans la parole. Amen, Seigneur, nous sommes fidèles assez afin que l'heure où nous soyons nouveaux, parce qu'on fait de nous des personnes qui nous veulent, pour changer nous, faire de nous des nouveaux-nés. Aidez-nous à grandir devant vous, Seigneur, comme des véritables serviteurs, fidèles aux disposés bénis, afin que l'autre nous parole, nous va en vie, même gens avec nous-mêmes qui bénis, nous bénis de haut. Et là, au moins, dis-nous qui côté nous joignent, qui côté nous cacher, nous va parler aux histoires de Jésus dans la vie. Et comme ça, nous va venir connaître. Et non, on va continuer, non seulement dans le jour aujourd'hui, dans le jour qui vient, et bien pour aller dans la présence de combo et fidèle serviteur, puis dans la présence de maître. Fais ça pour nous, Seigneur. Nous prions, non, parce que nous n'avons aucune mérite devant, mais au nom du petit Jésus qui fait de nous ça que nous y est. Et même qu'à vivre et qu'à prier pour les siècles des siècles. Amen. Allez en paix, que le Seigneur bénisse nous. Et nous dit à tout le monde qui tape, tendez-nous, gardez-nous. La paix, bon Dieu, nous dit Pasteur Paul, merci. Et pour service, ou en nous. Frère Dominique, merci. C'est Sarah, et nous attendons de nous. C'est Ghislaine, nous dit merci, du fait que nous attendons. Et bien, nous capables de dire tous les chrétiens qui aiment la parole, merci. À la prochaine. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.